Dans ce domaine, il ne faut pas parler en termes de vieux. Ouais. Il y a les vieux qui ont déjà échoué dans leur vie, qui font que des cales. Mais j'invite ceux qui ont encore de l'énergie pour le faire. Parce qu'il y a des vieux qui n'ont pas de l'énergie. Il y a des vieux qui ont eu des millions. Moi, pour faire ça, ce n'est pas des millions. C'est peu de moyens. C'est que je pouvais aussi construire les appartements pour mes enfants tels qu'ils les font. Parce que tout le monde se lance toujours dans des appartements. Si tu regardes, l'appartement avec autant de niveaux, c'est pour la femme de tel, c'est pour tel. Mais lorsqu'il rentre... en train de nous rendre chez moi. Chez moi, ici c'est mon village natal, à ma ferme privée. Comme la saison A s'annonce, je dois faire donner les coups d'envoi de la boue. Parce que les pluies s'annoncent déjà, dès que à la première pluie, que l'on puisse mettre le maïs dans les sous-sols. Tu es trop populaire ici, hein? Non, ici c'est chez moi, non? Ok. Non, nous, on n'attend pas les postes officiels pour faire quelque chose pour nos bases, pour les intérêts de nos bases. Il demande quoi? Bon, il demande l'argent. Il demande l'argent. Et ici chez nous, après avoir passé 20 ans, 22 ans, maternelle, primaire, secondaire, université, vous avez quelqu'un qui est chômeur, mais ce n'est pas le cas au Nigeria. Vous avez un étudiant qui est en même temps entrepreneur. Alors, c'est incertain que les gens semblent oublier l'entrepreneuriat. C'est pour cela que j'encourage les ministres ayant ces attributions-là dans leur secteur de pouvoir booster. Parce que le développement sans l'entrepreneuriat, c'est zéro. Parce que l'État ne peut jamais développer. Hein? C'est développé sans les entrepreneurs. On est déjà presque arrivé, tout ça. C'est ma concession. Combien d'hectares? Je suis dans le 1900 hectares ici. Il y a quoi dedans? Vous verrez, maintenant là, on commence à labourer. On a déjà commencé, on a mis des sillons. Ouais, il y a des activités agro-pastorales, hein, qui parlent des activités agro-pastorales, parlent de l'élevage, l'agriculture, c'est tout ce que nous sommes en train de faire pour notre peuple. Tu as combien de travailleurs? Et toi-même, tu vas les voir, ils sont au nombre de 10 que je paye chaque mois. Ok. Voilà. Et tu les as amenés les habits, les chaussures? Oui, oui. Et puis aujourd'hui même, là, je dois les payer. On est presque arrivé à Kremlin. On est là, ferme agro-pastorale. Tubombo City Center.
très grande. On descend là-bas jusque j'ai les frontières là-bas avec les gens de Benantoum. Bakwambui. Bakwambui, déjà, c'est le territoire de Niabi. Donc ici, on est à Lupatapata. Ouais, ça, c'est Lupatapata. Tu vois? Ça, c'est les mâles. Qu'est-ce que c'est? Va là-bas, je n'ai pas dit ça. Va là-bas. Ndaï, ça va? Allez-y là-bas, on amène du sel après. Allez-y là-bas. Ah, papa, on va amener, ne vous en faites pas. C'est celle-ci qui a mis bas, même l'autre là. Celle-là s'appelle Tidibi. Et c'est qui Tidibi? Tidibi? Ouais. C'est ton ami, ta mère, ta mère. Tidibi, c'est la femme d'un ami. Ok. Grâce Tidibi. Ok. L'autre là, c'est Ndaï. Il y a Isaac Kanku ici. Ah bon? Ouais. Oh! C'est où? Elle est devenue très grande là. Isaac Kanku. Eh, Mathias est là. Il y a aussi Mathias. Mathias Bidi, il est là. Capot a 5 jours. Mathias, maintenant là, c'est une année. Hein? Mathias a une année. Je l'avais surnommé, c'était le 24 juillet, le jour où Mathias a été déchiré par l'Assemblée provinciale. Ok. Là, c'est une semaine. Deux semaines, allez. Deux semaines, ok. L'autre là, c'est deux semaines. Une semaine, les riches de ce monde sont des éleveurs et ceux qui font l'agriculture. Chez l'État, là, avoir des fonctions politiques, tout ça. Ça, on doit travailler pour le peuple. Mais hein, si tu veux être riche, devenir riche aujourd'hui, il faut avoir des bêtes pareilles. Il faut avoir des bêtes pareilles. Ok. Ouais. Et tu es content, hein? Ah oui, plus surtout, je suis content des deux veaux, là. Hein, les deux veaux, là, en tout cas, je suis vraiment très content. Content des deux veaux. Isaac, comment on peut donner un petit peu à votre budget? Waouh! Isaac, apparemment, on a dit que tu es fou. Et puis, il y a un ami qui a dit que tu es un ami. Il a dit que tu es un ami. Non, il a dit que tu es un dit que tu es Bancho ko elimine finde ya Mikolai. Ndi mujinga ne tubancho kwenza fetu saucisse ni mabela ni fromage. Mutu bena bena kuwes. Ndaya rentre comme ça. Mutu bena. Eh, restez là-bas. Mutu bena kuwes benza. Et c'est quelle race? Afrikaner. Afrikaner. Mais je dois chercher aussi d'autres. Kebelaï bi ndundu bi abwabi. Bidihen. Mathias. Ouais. Mathias, tu veux pas prendre? Mathias, fouille. Là, c'est Tidibi. Ah. Docteur, tu as vu ce que Tidibi fait? Ok. Boumoudien, il dit Founé. Il y a possibilité de faire un peu de choses. Et au fait, il dit. Il dit, il est là pour mon Dieu. Ah, non, mon Dieu. Chaque année. Chaque année. Oui, oui. Il dit, il est là. Au moins. Au moins. Oui, oui.
On va mouler l'année passée. Et cette année, on va aller du côté. Est-ce que moi, je vais avoir un mouton quand même? Ah. Ah bon, ça va dire non. Nous sommes à Tshibombo. Village Tshibombo. À Lupatapata. Secteur Lupatapata. Secteur de... Groupement de Bakwanyanga, hein? Tshibombo et Bojima est combien de kilomètres? Pratiquement 18 là. Jusqu'ici c'est 18 kilomètres. La route ça va? La route ça ne va pas. Je ne peux pas jeter des fleurs aux destructeurs, aux gens qui n'accompagnent pas les chefs de l'État. Dans 18 kilomètres ici, ben, il faut faire effectuer au moins des heures. Il y a des entreprises qui ont gagné le marché, qui ont bouffé de l'argent, en connivence avec les frappeurs de la République que nous connaissons, il va continuer à dire le chef de l'État Maï Koumakas. En tant que franc, il va avoir un sens. Nous avons notre peuple, Koukassaï. Qui est le tout le monde, le tout le monde, le monde. Nous sommes en Bantu. Mon frère, chez nous, on dit que nous sommes en tout le monde, le tout le monde. Ça fait au moins pratiquement 4 ans, 3 ans maintenant que j'invite tous nos frères Kassaïens. On doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Hein? On doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons eu le pouvoir, certes, à la présidence de la République, oui. Le chef est le président de la République, mais n'est pas le président du Kassaï oriental. Alors, nos efforts, nos contributions. C'est ce qui fera en sorte que les chefs invitent les investisseurs qui doivent nous accompagner. Si nous, on ne marque pas le pas, qui le fera à notre place? Personne. La raison pour laquelle j'invite mes frères Kassaïens. Tes vieux aussi. Dans ce domaine, il ne faut pas parler en termes de vieux. Ouais. Il y a les vieux qui ont déjà échoué dans leur vie, qui font que des cales. Mais j'invite ceux qui ont encore de l'énergie pour le faire. Parce qu'il y a des vieux qui n'ont pas de l'énergie. Il y a des vieux qui ont eu des millions. Moi, pour faire ça, ce n'est pas des millions. C'est peu de moyens. C'est que je pouvais aussi construire les appartements pour mes enfants tels qu'ils les font. Parce que tout le monde se lance toujours dans des appartements. Si tu regardes, l'appartement avec autant de niveaux. C'est pour la femme de tel, c'est pour tel. Mais lorsqu'il rentre, maintenant, là, c'est la saison A. Je viens d'amener autant de litres pour faire, je ne vais pas faire beaucoup, juste 10 hectares, 5 hectares pour le maïs. Comme j'ai déjà les boutures de manioc, 5 autres hectares, et je vais diversifier la culture telle que tu as vu, le palmier. Donc d'ici 2 ans et demi, je dois produire l'huile. Mais si vous partez, tous nos frères de l'Ouest Afrique, mais ils sont dans ça. Ils sont dans ça. Vous ne verrez même pas du matin au soir dans les groupes, dans des réseaux sociaux. Il y a que tel patron de tel parti a dit tel et tel. Mais la faisabilité, c'est quoi? Je n'ai pas un sponsor. Même les gouvernements provinciaux qui peuvent commencer à appuyer les actions pareilles, ils sont toujours dans des histoires inutiles. Inauguration de tel, et faisons tel. Il y a telle manifestation. Les protocoles se dirigent toujours. Il y a dépenses telles. Mais il faut mettre de l'argent dans ça. Nous dire, tu as acheté ça où? On peut ajouter aussi autant de têtes. Mm-hmm. Pendant les manifestations, on peut venir chercher. Et c'est ça. C'est ce que nous pouvons faire. Et les gens sont dans les tralala. Et puis je me demande, il y a le ministère de développement rural. Mais il se limite que sur la route.
Le développement rural, ce ne sont pas des routes seulement. Ok. Hein? Il faut encourager les entrepreneurs qui tondent les diamants. Les diamants, là, lorsque nous creusons les puits, et par moments, on a les graviers, on ramasse les pierres précieuses, et c'est fini pour ces puits-là. Vous ne pouvez même pas en trouver. La raison pour laquelle j'en appelle encore à la conscience collective de nos frères, plus surtout, ceux qui m'écoutent bien, c'est ceux qui sont, ce sont les Kassaïens de diaspora. On échange, d'ailleurs, je suis très content avec Rex Mwamba, qui était chez John Deere. Je suis en train de chercher les moyens. D'ici 2 mois, j'aurai mes propres tracteurs ici. Ça ne sera pas seulement pour moi, ça sera pour la communauté. Parce qu'il faut servir la communauté. Tous ensemble, vous savez, par moment, nous sommes punis par Dieu. Lorsque nous avons les moyens, on ne les fait pas pour la communauté. Nous les faisons pour nos familles restreintes. La raison pour laquelle nous pouvons avoir le pouvoir aujourd'hui. Et demain, aujourd'hui, on t'appelait Excellence. Demain, tu as Kantuchananao. C'est ça le problème. Nous voudrions cultiver cet esprit d'entrepreneuriat pour que même un étudiant qui va à l'université ait déjà son licablo quelque part. Et regarde seulement le 24 ans, 25 ans que nous faisons pour les études. Mais tout ce qu'on a eu à investir dans les études, mais si quelqu'un pendant 24 ans investissait juste dans une vache qui met bas chaque année, il devait en avoir combien? Vous comprenez? Gagner la vie, c'est l'entrepreneuriat. Les postes politiques ne développent pas. Les dialogues, le politique ne rend pas des gens responsables. Être responsable, c'est comme je suis très content avec les têtes de vaches que vous voyez ici, avec les poules, avec les palmiers, les maniocs, les arbres. Je suis heureux à cause de ça. Comment le développement, c'est lorsque vous avez le véhicule. Le ventre est encore vide, mais tu as un véhicule. Pendant que ton ventre là est vide, mais toi tu commences à conduire, je dois avoir un véhicule. Oui, tu as un véhicule de 40 000 dollars, de 70 000 dollars. Mais tu manques chez toi même des poules. Vous comprenez? Alors je lance un message à mes frères. Nous avons encore des espaces inoccupés. Nous pouvons booster notre propre développement comme nos frères de l'Est, comme nos frères de l'Afrique, de l'Ouest. Et c'est promettant. Regardez les jeunes gens que vous voyez autour de moi ici. Ce sont les jeunes gens que j'encadre. Vous comprenez? Je ne les ai pas importés de la ville de Mbujimayi. Ce sont les jeunes gens d'ici. Aujourd'hui, la majorité, ils sont devenus des bouviers. Il n'y a pas une école pour devenir bouvier. Ok. Vous comprenez? Ok. Il ne faut pas seulement dire que non, les bouviers, il faut importer quelqu'un de l'Est, quelqu'un de Congolo, quelqu'un d'où. Non, ils sont des bouviers, ils sont déjà habitués. Il faut la volonté. Teta, il y a quand même un jour, il faut la volonté. Magale mon tete mi lo kutubo mu abenu nje bijese. Enzai, nu lo mono mu shindo akubansho kutula chombe. Ah, vula mato. Vula fa ju mato nu nu chi tula, mi che nu ifinga sho mu malaba. Choma chi kambula bai. Ka ju mo mu chikona. Ah bon? Muya lo ju la, ju ku ju la dishi na ju ma ja chombo mu abe. Muya. Lo ju e intete. Yuto we. Ah ah. Je dois aller bébé. Béton. Hein? Ramène béton. Eh, Il faut te dire que tu es bon. Ah, tu as un 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 bon.
Ça c'est Safou. Ah. Safoutier. Safoutier. Je suis venu expérimenter. Hein. J'ai ramené ça de Kinshasa. Mais je vois ça tenir. C'était une dizaine. Mais comme nous sommes pendant la saison sèche, on continue à arroser. Ça, ce sont les palmiers nains. De 3 ans. Pardon? Palmiers nains. De 3 ans. De 3 ans, oui. Même là où tu piétines. Oh, sorry, sorry. Il y en a aussi. Et ça, c'est quoi? Les manguiers. Ok. Nains de 3 ans, là. Ça vient de Bénin. D'ailleurs, tu balles là, mon chifou. Tu te balles là, mon gère. Moi, je suis pas d'une voulu le cap, a dit une chakou sa sabicole. Et moi, mon bidou mon aime, ma orangé nain, a dit plus de 4000. Orangé nain. Et vu pourtant, pindé ou coudu variété, ou tu du ballonien dans moi. Et une variété, gai? Wama kwenda, a dit à fumer à bidou mon bénin. Et batouman et namunda ma kunza kunza. Il y a les dynamos. Yanzembo. J'ai dit Fatoula 220 volts, mon béo. Bwanzembo, Bwafadjibou Bassoudé, Batouba Temesha, et au moteur au moulin, et Chinchinou. Et les gens viennent mardi, ni samedi, pour couper les chiens. Ils disent que c'est là, 3 mecs, 500 francs. Et vous avez bien ça, Tchana? Mazout, n'est pas son bébé. Pani batekela 3 mega kumbu jwa imeka jini 7000 francs boko felesh mais pani nganga tante ka meka isatu boa 500 francs c'est déjà en kamitano, c'est déjà quelque chose, c'est une façon de les aider, sont des actions vraiment communautaires. Faudrait ku bambulish walo bako amwina badi balo julo na chaine 5 ou felesh 500 francs l'essentiel. Non, ils viennent chaque mois, le mardi, si on était le mardi. Vous voulez que beaucoup mona mardi ni samedi bah tout balo mwa beo ngwema. Très bien. Ouf. Après wo mulu pata pata ko na muntu jiwa mulu shagandu. Bah tena mumanya to. Babu intu to kwilanga na bwa lupata pata anu. Babu imbaji bu inka mujama. Kwani mbambile bwana nshano enza jama, jama ndi akoyitwa to intu bengot. Mais bi pourquoi njwa nga tandambo alu fetu lo nlwa jama. Non, je suis le max. 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 Je suis le Le débat, maman. Le débat. Le débat. Ah ben là, il tu es mon Il est Frank Tchola, mon petit frère. Mais au télévision, télévision Mounena, pour propager Malouanso qui se passe à Kouetou.